Abuna bie bara mie, abuna bie, abuna bie, abuna bie. Miengo wa bie, maoko. Nivure mon lobo, yesa. Abuna bie. Bonjour mon monde, c'est encore moi. On se remet encore ensemble, toujours pour continuer à apprendre selon ce que les sages nous ont légué. Je continue toujours avec les proverbes. Aujourd'hui, nous allons ramener toujours cette sagesse dont nous avons besoin pour parcourir la vie sur Terre. Car ce qu'il faut savoir et ne faut pas oublier, c'est que la Terre n'est qu'une route. Nous sommes tous de passage. Et oui, quand on a compris ça, on a tout compris. On est tous de passage. Mais en passant sur cette route qui est la Terre, ben, il faut bien qu'on puisse soit apporter quelque chose, léguer quelque chose, soit en emporter quand nous allons partir là où on va. On ne sait pas si on va être, on va aussi apporter nos enseignements. Afriyi, bali pira yame. Et oui, c'est toujours ça. Les sages, avant de commencer, commencent toujours par mettre le silence dans l'assemblée. Tout ce que nous trompons, ou tout ce qu'on trompe, ou tout ce qu'on croit tromper, ont des yeux pour observer et pour voir la réalité. Akura Lielbu, les sages ont dit, Okiencho ikulurwe. Okiencho ikulurwe. Tu peux garder la savane, tu peux rester, faire le gardien de la savane comme tu veux, mais tu ne dépasseras jamais les termitières. Parce que les termitières sont en permanence à la savane, donc ce sont les meilleurs gardiens de la savane. Personne ne peut mieux garder la savane que les termitières. Et oui, quand on a compris cela, on a tout compris. Dans la vie, il ne faut pas s'y méprendre, on ne peut pas tout savoir. Tout simplement, on ne peut pas tout maîtriser. Ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. Mvouloa Bolandie Wanson. Mvouloa Bolandie Wanson. Et la saison, la pluie, on se mouille quand la première pluie tombe. Oui, parce que chez nous, par exemple, en cette période, c'est la saison sèche. À partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, je crois. Et la première pluie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va nous surprendre. C'est la première pluie qui surprend. Après, on se rend compte que la saison des pluies est arrivée. Effectivement, après la saison sèche, on ne sait pas quand est-ce que la première pluie va nous surprendre. Et cette première pluie, évidemment, elle va nous surprendre. Et si on était sorti en pensant que c'est toujours la saison sèche, eh bien, voilà quoi, la pluie va tomber et on va se mouiller parce qu'on ne s'était pas préparé. Vouloir bolandier ou anton. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut toujours être vigilant. Oui, c'est comme on le dit, on peut tromper une personne une fois. On peut tromper tout le monde une fois. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Je recommence. On peut tromper une personne ou on peut tromper tout le monde un temps. On peut tromper une personne tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Je recommence. On peut tromper tout le monde un temps. On peut tromper une personne tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Vouloir Bolandé, Wanson.
Restez vigilants. Une fois que la première pluie nous a surpris, les prochaines pluies ne doivent pas nous surprendre parce que nous savons maintenant que c'est la saison de pluie et que nous devons prendre nos dispositions. Adarnchi, ok. Adarnchi, ok. Piétinez la terre tout doucement. Piétinez la terre avec beaucoup de respect. Car cette terre que nous piétinons tous les jours, un jour, elle aura le dernier mot. Elle a toujours le dernier mot. Pas un jour, elle a toujours le dernier mot. Et quand elle nous piétine, pardon, alors respectons la terre, car la terre est la mère de tout. Et la terre a toujours le dernier mot. Achakula kaluruchewo. Achakula kaluruchewo. Aussi longs que puissent paraître les oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. Aussi longues que peuvent paraître les oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. Mais c'est tellement vrai. C'est juste question de dire, mais dans la vie, il faut savoir être humble. Il faut savoir être humble. Quel que soit ce que nous pouvons être, quel que soit ce que nous pouvons faire, quel que soit là où nous sommes, quel que soit dans le milieu là où nous serons, il faut toujours garder l'humilité. Car nous ne dépasserons jamais et nous ne serons jamais plus que les autres. Nous serons toujours des éternels apprentis. Oui, les parents disent aussi qu'outi asoyil kuntaza ka kolmbango. Outi asoyil kuntaza ka kolmbango. Quel que soit le temps qu'un bois mort peut passer dans l'eau, que ce soit la rivière, le fleuve, etc., ça se transformera jamais en bois. Jamais. Jamais, ça restera toujours le bois. Voilà, nous sommes des êtres humains sur terre avec tout ce que nous sommes. Nous serons ici tels que nous sommes et puis un jour, nous passerons. Et oui, c'est comme ça. Nous passerons. Voilà. Parce que quel que soit ce que nous sommes, on ne se transformera jamais en autre chose que ce que nous sommes. Toujours dans l'humilité. Mpia Ijula. Mpia Ijula. Et oui, le mensonge a détruit tout un village. C'est vrai. Le mensonge a détruit tout un village, c'est vrai. Il faut toujours bien se garder du mensonge. Et puis, en parlant du mensonge, les sages ont dit Ngo marimpia i keke wenwo. Je recommence. Ngo marimpia i keke wenwo. Au fait, il nous explique que dans le mensonge prend racine à partir d'une bribe de vérité. Le mensonge prend racine à partir d'une bribe de vérité. Effectivement, le mensonge, souvent, c'est que la vérité grossit. En fait, on est parti, oui, j'ai entendu une personne dire qu'il a vu le soleil. Bon, mais celui qui va emmener la phrase dira, « Ah non, non, il a dit que le soleil avait frappé tout le monde. » Et un autre dira, « Et le soleil, etc. » C'est parti d'un tout petit peu de vérité. Et puis, ma foi, on va extrapoler la vérité et ça devient un mensonge. C'est pour cela qu'on dit le mensonge a détruit tout un village parce qu'effectivement, à partir d'un mensonge, tout peut arriver. Le mensonge, c'est comme l'étincelle qu'on met dans une forêt. Une petite étincelle de rien du tout peut détruire des hectares et des hectares de forêt. Mpia Ijula. Les sages ont dit aussi, Ntalinga Tumburu, Mwaya Sheli. Je répète ça souvent, moi. C'est mon proverbe préféré. Ntalinga Tumburu, Mwaya Sheli. Si le serpent a mordu l'être humain, c'est parce qu'il en a eu marre de ses provocations. Eh oui, l'être humain a tellement provoqué le serpent qu'à un moment donné, le serpent s'est dit, mais pour que cet être humain me laisse tranquille, il faut vraiment que je le morde. Et non seulement il va mordre, mais il va mettre le venin, voilà, pour que l'être humain comprenne qu'il ne faut pas trop, effectivement, provoquer les autres. Et oui, dans la vie, c'est ça.
on garde notre calme, on reste avec notre humilité, notre sagesse, mais quand il y a trop de provocations, il faut savoir, comme le serpent, faire sortir son venin. Les sages ont dit, Kabarungo mwakela ndewo. Eh oui, Kabarungo mwakela ndewo. Oui. On n'a pas besoin d'avoir peur. Non, il ne faut, faut pas que les tâches de la panthère nous effraient. Ce n'est pas ça. Hein? Dans la sagesse la plus noble, on est là pour dire, oui, la panthère, c'est un animal féroce, mais qui est aussi sage, parce que la panthère n'attaque pas l'être humain n'importe comment. Mais c'est à nous de pouvoir comprendre cela. Qu'il ne faut pas provoquer. Si nous provoquons la panthère, naturellement, elle se fera le plaisir aussi de nous montrer comme le serpent son venin. Mais si nous sommes sages vis-à-vis de la panthère, ben, les tâches de la panthère n'ont pas à nous effrayer. Kabarmvula mopino ndewo. Kabarmvula mopino. N'aie pas non plus peur de la pluie parce que tu as vu le ciel s'obscurcir. Il y a des moments où on voit le ciel s'obscurcir, puis on dit, aïe, il faut faire vite, la pluie va tomber. Mais deux fois, cet obscurcissement s'évapore aussi dans la nature. Oui, il s'agit seulement de garder son calme. Kabarmvula mopino ndewo. Adamba. On dit, Adamba, Adayamba lokumfu. Adayamba lokumfu. Vous croyez que l'eau chaude, vous pouvez renverser l'eau chaude sur vos cheveux? Si vous renversez l'eau chaude sur vos cheveux, c'était chaude pour brûler votre cuir chevelu. Donc il faut faire attention à ce qui est. Il faut toujours se méfier de ce qui est. Il faut toujours, comment on appelle ça déjà, dans la sagesse, ne pas aller toucher quelque chose qui peut être plus fort que vous. Adamba, Adayamba, l'eau kumfu, c'est la question. Hein? L'eau est chaude et vous voulez renverser cette eau chaude sur votre cuir chevelu? Essayez et vous allez voir. C'est la même chose qu'on dit, si l'enfant veut mettre le doigt, un enfant brigand veut mettre le doigt dans le feu, laissez-le faire. Quand il va se brûler, il ne mettra plus. Et c'est la même chose qu'on vous dit. On dit, chez nous, dans la sagesse, on dit, on pose juste la question. L'eau est chaude et tu veux renverser cette eau chaude sur ta tête? Renverse et tu verras. C'est exactement pareil. Mais, en retour, on dit aussi, mais Adamba katsui kumbao. Adamba katsui kumbao. L'eau chaude ne brûle pas un tissu. Et pourtant, on peut prendre le tissu aussi, plonger dans l'eau chaude, et ça ne brûle pas le tissu. Et c'est naturellement c'est l'équilibre de la vie. Non seulement, on ne peut pas se renverser l'eau chaude sur le cuir chevelu parce que ça peut nous brûler, mais au même moment, on dit, même cette eau chaude, mais on peut plonger un tissu, il ne fera rien à un tissu. Il faut juste savoir équilibrer les choses et faire les choses quand il le faut, sans pour autant se précipiter. Mwanwa yakulu, il faut les wande nyongupia. Mwanwa yakulu, wande nyongupia. Un enfant gourmand, il faut lui donner la viande à l'os. C'est comme ça que je vais dire en français. Hein? Donc, l'enfant gourmand, l'enfant, on va dire, voilà quoi, gourmand, donnez-lui à manger la viande à l'os. Ben oui, comme ça, il va continuer à croquer l'os jusqu'à, comme un chien, puis jusqu'à ce qu'il se fatigue, au fait. C'est ce qu'on veut dire. Hein? Si l'enfant est gourmand, donnez-lui à manger, donnez-lui la viande à manger au niveau de l'os, de l'emplacement de l'os, l'os de la viande, quelque chose comme ça. Ngo banin jeli mvulka wenwo. Oui, c'est ça j'ai dit. Ngo banin jeli mvulka wenwo. Là où souvent quand il y a des éclairs, des foudres, etc., souvent il y a la pluie. C'est juste pour dire, ben voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe en ce moment-là.
Hein? C'est aussi les sages qui disent, tu es kumbaya kiashi, ça se retrouve. Tu es kumbaya kiashi. Hein? Si on voit quelqu'un qui met toujours son nez dans le feu, ton nez dans le feu, c'est que il a dû mettre quelque chose au feu. Donc, on ne peut pas se mettre à fouiner le feu tant qu'on n'a rien mis dedans. Ok. Donc, pareillement, donc, Ngobana, Njeli, Vulukawenwo, là où il y a les foudres, les éclairs, quelque part, si vous surveillez de près, vous verrez que la pluie n'est pas loin. Ah, les sages ont dit aussi. Tibumumuyamburu, bien yompiri. Tibumumuyamburu, ou yompiri. Hein? Les excréments qui se trouvent à l'intérieur de la personne. Vous êtes sûr que vous pouvez sentir les odeurs? Les excréments qui se trouvent encore dans le corps, quand la personne n'est pas encore allée faire ses excréments quelque part. Vous croyez que vous pouvez sentir les odeurs? Eh bien non, donc on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Ah oui, ça aussi, ça m'a fait réfléchir. On dit que Mburu, Mburu yambali, Yangi abono. Donc, effectivement, pour quelqu'un, par exemple, qui a une plaie, et on va dire plaie ouverte, hein, donc quand les mouches tombent, les mouches qui tombent et sur sa plaie et sur la viande qu'il est en train de vendre, vont se mélanger. On ne peut pas faire la distinction, en fait. Ces mêmes mouches vont se mélanger. C'est juste pour dire que ben, dans la vie, nous tous, on est là, dans l'ensemble, on est les êtres humains ne sont que le rassemblement des gouttes d'eau, on va dire ça. Comme on dit, ce sont les gouttes d'eau qui font l'océan. Et ce sont ces mêmes mouches qui se mélangent autour de quelque chose, autour d'un intérêt, on va dire ça. Nurumbali, Nurumbali, eh oui, les sages ont dit, le corps n'est autre chose qu'une plaie fermée. Nurumbali, c'est une plaie fermée. La preuve, à chaque fois qu'on a un petit point, on voit le sang couler, hein, c'est pour dire que cette plaie, c'est juste la peau qu'on nous a mis par-dessus, c'est juste pour fermer cette plaie. Mais au fait, le corps n'est autre chose qu'une plaie. Une plaie fermée. Et à chaque fois, ça ouvre d'une façon ou d'une autre. Quand on est malade, ça se touche quelque part. Quand on se blesse, ça touche quelque part. Nurumbali. Le corps n'est autre chose qu'une plaie fermée. Talingali pala mo barbo boutou. Eh oui, quand le soleil brille, c'est pour tout le monde. Maintenant, c'est à nous de bénéficier de ce soleil. Okuru wa tchwa mon tali. Oui, l'aîné, c'est celui qui a vu le soleil avant tout le monde. Njuni nini idzuwe, oui. On dit d'une personne qui raconte des choses n'importe comment, on dit Njuni nini idzuwe. Ben c'est un tonneau vide, quoi. C'est une casserole, une grosse casserole qui fait beaucoup de bruit. Comme nous, on dit tonneau vide. Il y a un temps dans le pays où il y a un temps. Il y a un temps dans le pays où il y a un temps. Nous avons cinq doigts, quatre palmes. Les nez, c'est la paume de la main. Je répète, nous avons cinq doigts, quatre palmes. Les nez, c'est la paume de la main. Ce sont les sages qui l'ont dit. Les sages aussi ont dit, Mboa milina, kulangamwa alono. Ça, nous le savons tous. Le chien a quatre pattes et ne suit qu'un seul chemin. C'est pour cela une manière de dire à l'être humain, mais tu n'en as que deux, hein? Et tu crois que tu peux suivre des milliers de chemins? C'est à nous de voir. Si nous avons la capacité de suivre des milliers de chemins, cela ne dépend que de nous. Mon monde à moi, voilà ce que je voulais vous apporter ce jour. Et qui sait tout ne sait rien. Le peu que j'apporte, c'est le peu que j'ai pu apprendre auprès des bibliothèques vivantes qui sont nos anciens. D'autres avec nous, des sachants avec nous l'ont dit, quand une bibliothèque, non, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc ces bibliothèques, pendant que nous les avons, il faut que nous profitions de ces bibliothèques. J'aimerais faire partie de cette bibliothèque qui aujourd'hui, avec les enseignements que j'ai reçus par les bibliothèques ayant droit, je peux vous apporter le peu que je vous apporte. Qui sait tout ne sait rien, je dis. C'est pour cela que je dis tout le temps, vous,
mon monde. Je suis riche de vous, vous êtes riche de moi. Vous avez des connaissances? N'hésitez pas à les apporter. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas non plus à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je fais ça pour vous. Quand j'ai dit ça, je dis, c'est avec grand bonheur que je vous laisse tout ça. Et j'espère vraiment avoir fait quelque chose qui puisse vous apporter quelque chose. Vous aussi, vous devez m'apporter. Et comme je le dis tout le temps, personne ne détient la vérité. La vérité, c'est la somme des vérités qui donne la vérité universelle. Commentez, partez, parlez. Partagez, commentez avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, beaucoup de fraternité. Et on restera toujours ensemble et vous me donnerez toujours la force de continuer à vous apporter le peu que je peux vous apporter. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était Manco, depuis Brazzaville.